Bonjour, ici au championnat universitaire provincial au club de golf Melbay. On est en début de matinée ici avant la deuxième ronde. Je suis avec Nicolas Quérion, l'entraîneur des Carabins de Montréal ici. Et puis c'est ça, ce matin, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était un petit peu une entrevue pour savoir comment que ton équipe se comporte ce matin. C'est sûr que vous avez réussi quand même à avoir une bonne avance à comparer de Laval. Donc, pas sans dire que la victoire est dans la poche, mais un petit peu, là. Donc, s'ils continuent à bien jouer. Donc, comment on réussit à garder le focus là, pour ton équipe aujourd'hui? Ah, on commence avec le même thinking qu'on a eu, les mêmes pensées de hier. On veut prendre nos greens en régulation. On veut éviter les erreurs qui peuvent nous coûter quelques coups. On veut toujours continuer sur la bonne voie, garder un petit mental positif et ça va super bien. OK, parfait. Ouais. Puis également, justement, c'est ça, l'avance de l'équipe, dans le fond, est quand même due au bon travail, là, je pense, de Caroline Sio et Sabrina Saponi, qui les deux, en ce moment, sont égales au top du classement individuel. Donc, est-ce qu'il y a une guerre de ce côté-là qui veulent remporter ou est-ce que vraiment ils pensent à l'équipe? Peut-être pas une guerre, mais ils se poussent une et l'autre. C'est sûr que c'est deux gagnantes. Ils travaillent fort pour avoir la victoire à chaque fois. Donc, ça, c'est le fun d'avoir. C'est amusant d'avoir deux filles. Ça peut amener les autres aussi. Ça traîne beaucoup de leadership. Ça amène les autres à un autre niveau. C'est bien. Ouais, ça, c'est intéressant, c'est ça, exactement. Puis là, c'est sûr, il reste deux jours. Là. Ils semblent vraiment être côte à côte. Il y en a une qui a gagné un tournoi, l'autre gagné un tournoi. Hier, ils jouent le même score. Donc, c'est ça, ils se poussent mutuellement, effectivement. Ouais. On les a pas mis dans la même chambre d'hôtel. Parfait. Puis là, c'est ça, dans le fond, vous, après ici, le championnat, est-ce qu'il y a d'autres compétitions pour la saison ou ça va vraiment l'an prochain au championnat universitaire? Ça va aller plus à l'an prochain au championnat universitaire canadien. On va se préparer tout l'hiver, un peu comme l'année dernière. Je pense que l'année passée, on les a préparés de bonne manière. Puis ça a bien performé au championnat universitaire canadien, on est bien fiers. Oui, c'est ça, exactement. Les résultats étaient là, ça a paru. Là. Mm-hmm. Donc, ben félicitations à toi, Nicolas, pour ton équipe. Je pense que même si c'est pas toi qui joues, toujours une part du gâteau qui te revient là, un peu, là, parce que évidemment, c'est toi qui les entraîne et qui les pousse. Donc, félicitations. Puis on souhaite la meilleure des chances à ton équipe les deux prochains jours. Merci beaucoup.